Bonsoir à tous. Merci d'être là. Écoutez, pour ce soir, ça commence très bien. Ça commence bien pour moi parce que c'est toujours difficile de commencer. Et pour une fois, j'ai trouvé quelque chose de facile. J'ai trouvé une bonne nouvelle. Alors cette bonne nouvelle, c'est quelqu'un d'autre que moi qui va vous l'annoncer. Je vous en prie. Bonsoir. Donc moi, en fait, j'ai appris que je devais la donner la bonne nouvelle moi-même. Je pensais que c'était le monsieur qui allait le faire, mais c'est pas grave. Donc moi, je suis l'éditeur des jeux Cats Family. Et pour notre première édition au Flip, nous avons son premier professeur qui vienne demain sur notre stand échanger et découvrir notre gamme, puisse avoir un jeu gratuit parmi un échantillon proposé. Donc s'il y en a qui sont intéressés, effectivement, c'est cadeau. Voilà, je vous remercie, puis bonne soirée à vous. Merci, hein. Merci beaucoup. Je vous assure, j'ai réfléchi longtemps, mais je ne pouvais pas faire mieux. Donc, si vous n'hésitez pas à aller découvrir, échanger, j'ai rencontré ces messieurs, dames, c'est des personnes absolument passionnées. Alors, je vais continuer les remerciements parce que il faut absolument que je pense à remercier tous les gens qui nous ont permis d'être là ce soir. Je voudrais remercier en premier, évidemment, les responsables de la communauté d'Aglo de nous avoir accompagnés. Je voudrais saluer le soutien de François Gilbert qui est ici, de Xavier Argenton, qui nous ont suivis dans cette belle aventure dont le résultat est devant vous ce soir. Et donc je tiens à les en remercier. Je voulais également saluer l'ensemble de l'équipe des services jeux de la communauté d'Aglo, qui vraiment a fait un travail formidable pour que notre projet aboutisse. Et notamment, on a eu cette chance inouïe d'avoir Floriane qui est venue filmer toute notre journée, qui filmera encore ce débat de ce soir. Je voulais aussi saluer Étienne, alors le voilà, alors, ça, c'est notre Étienne. Alors, je trouve chaque année un prétexte pour le faire applaudir, mais s'il vous plaît, c'est grâce à lui qu'on est là ce soir. Merci Étienne. Les Educaflip, c'est le fruit de notre collaboration. C'est le fruit du travail avec le service des jeux. Et vraiment, on a fait quelque chose de bien, je pense. Alors donc, écoutez, on est au théâtre. L'acte premier, ça s'est passé l'année dernière. On s'est posé la question, est-ce que le jeu ne serait pas en train de conquérir l'école? Et puis finalement, on avait fait le constat que oui, hein, le jeu est en train de conquérir l'école. On avait apporter quelques précisions sur cette question. On avait bien montré que de plus en plus les pratiques ludiques s'installaient partout, si bien dans l'école que dans le périscolaire. Et donc, on s'était dit que vraiment, ça pourrait être intéressant d'aller plus loin. Alors, le plus loin, c'est de savoir comment on aurait pu mettre en avant, valoriser des pratiques ludiques, des usages de jeux qui pourraient apporter des réels progrès, qui pourraient apporter vraiment des choses intéressantes dans l'acquisition des apprentissages. Et donc on a commencé à partir de cette réflexion en se disant, on a réfléchi sur cette question, l'intérêt du jeu dans les pratiques scolaires. Maintenant il faut qu'on mette en avant pratiques et usages et outils. Alors qu'est-ce qui est utilisé sur le terrain? Chaque enseignant a une petite idée de ce qu'il fait dans sa classe. Mais on se disait, quel est le moyen de faire remonter les bonnes pratiques, les bons usages et les outils utilisés? Alors, après de longs échanges avec Étienne, on s'est dit que ça pourrait être vraiment intéressant de faire remonter des expériences. Et comment les faire remonter? En utilisant finalement les nouvelles technologies, l'Internet, et en proposant aux profs blogueurs parmi les plus connus de notre pays de lancer un appel sur ces pratiques. Et en même temps, on a proposé à ces profs blogueurs, ils sont en train de sourire là, d'être présents et de nous accompagner dans cette démarche et de jouer les rôles d'experts. Ils sont, par les faits, ils sont reconnus comme experts par leur père, hein, ils sont modestes.
mais c'est maladif, j'arrive pas à leur faire comprendre à quel point tout ce qu'ils font est extrêmement important. C'est des gens qui sont consultés, c'est des personnes dont le travail est consulté par des millions de visiteurs, vraiment, et parfois même des dizaines de millions de visiteurs. Et donc, eh bien voilà, ce jury nous a aidés à faire remonter les pratiques de terrain. En janvier, on a lancé sur leur site un appel pour connaître les usages des jeux dans les classes. Et on a eu cette remontée de 88 jeux. 88 jeux sont remontés suite à cet appel en janvier. Et ensuite, on a proposé au jury d'en faire une sélection. Alors, on arrive à une première sélection de 30. Puis finalement à une ultime sélection, donc les gens qui sont candidats pour le label sont au nombre de 10. Une fois que vous avez votre sélection, on a voulu créer un nouveau concept qu'on a appelé le ludo-crochet. C'est-à-dire qu'on a invité les créateurs de jeux, les éditeurs de jeux, à venir présenter leur jeu devant le jury et d'avoir des échanges avec le jury. Comme ça, le jury qui avait fait déjà une première sélection de jeux a pu découvrir le jeu. Ben, matériellement, ils avaient pu le faire déjà, mais là, de pouvoir échanger les uns avec les autres, et puis ça a permis d'apporter des usages, les uns et les autres apportant chacun leur pierre à l'édifice, un disant bon, on peut utiliser ce jeu comme ça, l'autre d'une autre manière, enfin bref, voilà. C'est bien toi. Toute cette journée, on a analysé ces jeux, et à la fin, on a pu avoir une sélection de trois jeux. Alors ces jeux, moi j'ai voulu me faire un plaisir. C'est-à-dire que je ne sais pas ce qu'ils ont choisi. Je les ai quittés au moment où le dernier candidat avait présenté. Et puis je leur ai dit, écoutez, voilà ce que je voudrais que vous puissiez labelliser. Je voudrais que vous puissiez labelliser un jeu dont vous avez perçu que vraiment, en l'utilisant, on pourrait faire progresser les apprentissages des enfants. Mais cet apprentissage, je voudrais que vous puissiez faire en sorte que ça puisse être construit à la fois dans une classe, mais aussi au sein de la famille. Alors, la famille, pas forcément... pas la peine de réunir tout le cercle de famille et puis de mettre le malheureux au milieu, etc. Non, mais d'avoir une pratique dans la famille, ça peut être un adulte, ça peut être frère et sœur, etc. Mais que le jeu puisse se jouer à la maison. L'idée on insiste beaucoup sur cet usage dans la famille parce qu'on est en juillet. Et tout à l'heure à la radio, je disais toujours, je vois mes élèves, moi, tout à fait heureux de rendre leur livre. La grande liberté, vous voyez. Ah, le cartable est vide, il est léger, une plume. Et me voilà débarrassé de tous mes bouquins. Et généralement, le soir même, on retrouve le même élève, comme ça, dans les couloirs d'un hypermarché, avec la mère qui dit, on va choisir le cahier de vacances. Donc, le malheureux abandonne ses manuels scolaires, et le voilà le soir pourvu déjà d'un autre manuel. Ce qu'on voulait aussi, c'est de se dire que c'est au sein de la famille, c'est dans le plaisir partagé, c'est dans les pratiques partagées qu'on construit vraiment de vrais apprentissages. Je crois qu'on est unanime sur ce point-là. Hein. Je crois que c'est beaucoup mieux que le cahier de vacances. Enfin, j'ai rien contre le cahier de vacances. Hein. Voilà. Comment ? Un petit peu, mais bon... Loin du micro, je le dis loin du micro. Voilà. Voilà, donc, est-ce que j'ai oublié, mes chers collègues, quelque chose que j'aurais dû dire ? Non ? Voilà. Est-ce que ça vous a satisfait ? Oui. Bon, très bien. En tout cas, je pense que pour avoir échangé avec les éditeurs, pour avoir échangé avec les collègues, vraiment, ça a été des moments très intéressants pour eux comme pour nous. Je crois que c'était vraiment bien. Alors, tout à l'heure, je me suis approché, ils m'ont mis discrètement les trois enveloppes. Voilà. Donc premier label à Chronic Cards. Oh. Ouais. Oh.
Vous mesurerez l'instinct. Vous mesurerez l'instinct. Ça tourne en boucle depuis trois quarts d'heure. J'ignorais tout des récompenses. Alors, bravo. Merci. Je vais laisser dire quelques mots peut-être. Alors bonsoir, j'avais vraiment rien préparé. Tenez bien le truc parce que voilà, on vient de le monter. D'accord. Oh. On est peut-être bon enseignant, mais pas forcément très bon bricoleur. Je vais vous le monter. Bon, oh, bah super. D'abord, vraiment merci beaucoup aux jurés, à vous tous d'avoir organisé ce label, parce que les Chronic Arts, ça date de 2010. Ça fait depuis 2010 que j'évolue dans le monde du jeu. Et quand j'ai vu apparaître ce label Educaflip, la première chose que je me suis dit, enfin, un concours, enfin un prix auquel je peux envoyer les Chronic Arts avec l'espoir qu'il pourra être apprécié. Et je crois, enfin à ma connaissance, que c'est la première fois qu'un label récompense tous ceux qui œuvrent dans le jeu pédagogique, et il y en a beaucoup, c'est très varié, c'est très riche, il y a beaucoup d'éditeurs qui se lancent dans le jeu pédagogique, mais qui restent toujours une sorte de jeu de niche qui restera éternellement dans l'inconnu, enfin qui n'aura jamais droit à sa part de lumière, et puis je suis vraiment heureux que ce label existe, et puis je les remercie vraiment d'avoir apprécié les Chronic Arts, et puis merci beaucoup de nous donner l'occasion de briller un peu. Merci. Bravo. À vous. Ah oui, j'ai mis mon bras aussi, c'est pas mal. Merci. Voilà. Merci. Merci. Je crois que vous pourrez avoir des possibilités de mettre le logo sur vos jeux. Ouais, mais je vais le faire. Hein. Voilà, merci beaucoup. Merci. Alors, j'ai au recto de ma fiche, dans le verso. Voilà pourquoi en fait le jury a apprécié Chronic Arts. Ben, le jeu permet d'aborder l'histoire autrement que par les dates. C'est marqué lien, déduction, c'est ça? Je vois pas très bien, bref. Il y a des textes adaptés qui complètent les dates. Ça nous a beaucoup plu, ça. Possibilité de mélanger plusieurs séries. C'est-à-dire que le principe, vous le découvrirez en allant sur le flip, vous avez les dates, donc j'allais dire des événements, et vous pouvez compléter ça avec d'autres séries de cartes, par exemple avec les dates des grandes inventions, les dates des grandes œuvres artistiques. Et franchement, ça, on a vu ça, ce fonctionnement, nous-mêmes, à 6, là, tout à l'heure, on s'est dit, mais pas, je suis certain qu'on a tous percuté un moment sur tout ce qu'on pourrait faire dans nos classes grâce à ces jeux. Et en plus, on a souhaité aussi souligner qu'il était facile à mettre en place. Voilà. Bien. Non, je voulais juste décrire en deux mots le fonctionnement du jeu. Donc, l'idée, c'est que chaque joueur a 5 cartes en main et que tour à tour, on pose une carte sur la table et on doit la poser de telle sorte qu'on doit essayer de former une frise chronologique. Donc au début, il y a une carte sur la table. Alors c'est très simple, on choisit une carte dans son jeu, on la pose avant ou après celle qui est sur la table. Et ensuite, le joueur suivant se retrouve avec 2 cartes sur la table. Donc il doit poser sa carte soit avant, soit après, soit au milieu. Donc il ne s'agit pas de connaître exactement la date de l'événement, heureusement, parce qu'il y en a tout un paquet comme ça dans chaque série de cartes. Mais en revanche, on se demande, est-ce que c'est avant, est-ce que ça s'est passé plus tôt, plus tard? Et donc, il y a tout un jeu de déduction qui va très, très au-delà de l'apprentissage par cœur des dates. On regarde, on a la description de l'événement, on essaie de réfléchir. Au début, c'est très simple. Quand on a Lascaux et on a marché sur la Lune, on n'a pas tellement de mal à poser Napoléon. Mais de plus en plus, il y a de plus en plus de cartes sur la table au fur et à mesure qu'on joue, donc on doit être de plus en plus précis, et donc c'est à la fois amusant et ça ne fait pas appel à une culture encyclopédique. On peut jouer juste par déduction et ça reste amusant. Voilà.
Avant que j'ouvre la deuxième enveloppe, je vous assure que vraiment tous les jeux qu'on a analysés ce matin sont vraiment, c'était vraiment de très bons jeux. Je voudrais préciser aussi une chose, chaque analyse a été filmée. Donc, vous aurez des vidéos qui seront mises en ligne sur le site du FLIP et qui seront donc considérées comme des ressources par l'ensemble de la communauté éducative nationale. Pour la première fois, les collègues instituteurs, professeurs d'école vont pouvoir s'appuyer sur une analyse de leur père d'un jeu qu'ils auront vu en direct avec une réponse de l'éditeur. C'est une première nationale, ça, et j'avoue que ça a souligné, et je suis persuadé du succès de la démarche. Deuxième lauréat, deuxième label, je commence toujours par ce qui est le positif. Alors, le Pontu. Là, vous allez devoir dire quelques mots. Wow. C'est très plaisir de vous remercier. Félicitations. Merci. Super. Tenez-le bien. Merci à vous tous. Merci. Waouh. Donc, Pontu est un jeu artisanal fabriqué en bois, en matériaux écologiques, respectant l'environnement. C'est un jeu de stratégie simple. Créé par et édité par Grande Créa. C'est donc une production très artisanale. On en sort entre 50 et 100 par an. Donc, cette mise en avant du produit et du travail qu'on effectue est une très belle récompense. Voilà. Merci beaucoup. Ce jeu, c'est vrai qu'il est extraordinaire. Et à titre anecdotique, il a une odeur magique. Ça sent on se croirait dans pleine forêt de sapins. C'est fait. Madame n'a pas voulu vous expliquer dans les détails comment c'est fait, mais c'est très touchant. On peut le personnaliser. Enfin bref, c'est voilà. Ce que le jury a voulu souligner, c'est l'utilité du jeu, sa pertinence pour le travail du repérage dans l'espace. Ils ont apprécié aussi le fait que ça soit artisanal, éco-responsable. Ce qu'ils ont apprécié, c'est le plaisir de la manipulation, la qualité du produit et les compétences transversales qui dépassent le disciplinaire, c'est-à-dire la concentration, l'anticipation, etc. Et peut-être aussi, je me permettrai de souligner, la dimension qui peut être introduite de coopération dans le jeu. Hein. Donc, voilà. Et aussi, moi aussi, j'ai pensé aussi à quelque chose qui, à travers ce jeu, c'est qu'on pouvait facilement faire jouer des gens de générations différentes. Donc, le jeu idéal pour avoir un lien intergénérationnel. Voilà, merci. Bravo. Troisième et dernier lauréat ce soir. Label, je devrais dire label. Dessine-moi un mot. Ah. Bonsoir et bien merci, et puis que vive le jeu, que vive les apprentissages, que vive tout ça. Voilà, juste ça. Tiens, Julie. Merci pour cette belle initiative, on est ravis de vous rencontrer, de vous avoir rencontré. C'était quelque chose pour nous qui est tout nouveau, le monde de l'enseignement, mais voilà, on est ravis. Merci beaucoup. Vous ne voulez pas présenter votre jeu en deux mots ? Peut-être aussi, on n'a pas présenté le Pontu tout à l'heure. Oui. Si vous voulez dire quelques mots, on va dire un petit peu plus.
Donc le Pontus est le deuxième jeu. Il n'y a pas d'ordre, hein, tu l'as pas dit Olivier, mais il n'y a pas le premier, deuxième, troisième. C'est trois super jeux. Voilà. Trois premiers. Le Pontus, c'est un jeu de stratégie où l'objectif est d'isoler les pions de l'adversaire en l'empêchant de se déplacer, tout en continuant à se déplacer soi-même, on va dire. Donc on déplace son pion et on déplace des petits ponts entre les espaces où les pions peuvent se déplacer. C'est difficile d'expliquer mieux avec des mots. Voilà. Le jeu Dessine-moi un mot, c'est un jeu de cartes sur lequel des mots sont écrits et illustrés. C'est-à-dire que, alors non, j'explique mal. Les lettres sont dessinées de manière à représenter des personnages ou des choses. Et l'objectif, c'est que ce sont des mots dont on cherche à mémoriser l'orthographe. Par exemple, des mots invariables, par exemple, mais il y a plusieurs séries de jeux, donc ce n'est pas que des mots invariables. Et donc, il y a, j'aurais bien aimé que les auteurs le présentent, mais il y a des dessins autour des lettres du mot et une petite histoire qui est racontée en dessous du mot, de telle sorte que l'élève, l'enfant, peut se faire une image mentale de l'orthographe de ce mot autour d'une petite histoire qu'il se raconte, afin de mieux mémoriser l'orthographe de ce mot. Et au dos de la carte, il y a plein de petites devinettes. Donc ça, c'est le pontu, ouais. Au dos de la carte, il y a des devinettes. Donc l'élève d'abord s'approprie la petite histoire qui raconte l'orthographe du mot. Et ensuite, on lui pose les questions des devinettes pour l'aider à mémoriser encore mieux l'orthographe du mot. Et puis pour introduire surtout la composante ludique. Pour une fois qu'on joue avec l'orthographe du mot, ça nous a plu. C'est assez rare qu'on ait des jeux sur l'orthographe lexicale. Voilà. Vous aviez souligné à propos de Dessine-moi un mot, c'est que vous aviez apprécié l'efficacité. C'est la première fois, j'ai découvert le... Bon, j'avais vu le jeu, mais là, c'est la première fois que j'ai vraiment vu cette nouvelle entrée de l'orthographe. C'est vraiment surprenant. Donc, c'est une démarche bien construite pour assurer la mémorisation. C'est efficace, apparemment, c'est ludique, bien réalisé. C'est une thématique rarement exploitée dans le domaine du jeu, et il y a une double approche visuelle, auditive, et d'une phrase par rapport à l'image. Quand vous découvrirez le jeu sur le festival, vraiment, vous verrez, c'est une approche complètement nouvelle. Et en fait, on rentre dans le mot par différents chemins, finalement. Et c'est vraiment intéressant. Alors avec vos enfants, vous pourrez l'utiliser ou dans vos classes, chez vous, on veut mémoriser un mot, et bien on travaille avec cette carte, derrière il y a des petits scénarios, des questions, etc. pour un seul mot. Donc c'est vraiment intéressant. Voilà. Bien, voilà nos... Oui, je t'en prie. Bon, je ne souhaitais pas prendre la parole si tôt, mais... Non, je souhaitais simplement rajouter quelque chose. On a eu le plaisir de voir découvrir 9 jeux ici aujourd'hui. 9 jeux qui ont été sélectionnés sur une sélection plus grande dont tu parlais tout à l'heure. Et réellement, tous ces jeux ont une forte valeur ajoutée dans le domaine éducatif. Et si on a dû en choisir 3, ça peut être une tâche facile, puisque tous avaient vraiment des qualités. Donc on tient à féliciter également tous ceux qui nous ont présenté les jeux. Ça s'est très bien passé, on a été très heureux de partager avec vous, on a rencontré des auteurs, des éditeurs. On encourage tous à découvrir ces jeux-là parce qu'ils ont vraiment quelque chose à valoir, même si on n'en a pas parlé aujourd'hui. C'est ceux qui défilent derrière nous. Et voilà. Oui. Moi, je voulais quand même remercier aussi chaque intervenant qui s'est présenté à nous, notamment pour les personnes timides. Parce que c'est vrai que ce n'était pas facile. Nous, on était à 6. En plus, on s'était rencontrés déjà hier soir. Pour certains, on se connaissait depuis un peu plus longtemps. Elles sont venues seules la plupart du temps. Elles se sont retrouvées confrontées à 6 regards extérieurs. Et je les ai trouvées enthousiastes. Je les ai trouvées passionnées dans ce qu'elles présentaient. Donc, ouais, félicitations, que ce soit à ceux qui étaient primés ou non. Oui, alors, moi je suis aussi, je suis content. Finalement, cette aventure, on l'a menée jusqu'au bout et avec une certaine efficacité, je suis joyeux. Cette joie, je n'hésite pas à la partager avec vous ce soir. Pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être utilisateurs du travail de mes collègues. Je suis même, s'il y a quelques enseignants dans la salle, peut-être ?
on ne sait jamais. Hein. Levez la main peut-être s'il y en a quelques-uns. Oh, ben, il y en a quelques-uns. Ben, ouais. Hein. Et je suis sûr que vous avez dans vos classeurs que cette année, vous avez dû utiliser une fois au moins les travaux de ces... Des personnes qui sont devant vous et je voulais aussi ce soir saluer à travers eux toute cette communauté éducative sur le web qui travaille, qui fait profiter du travail, de leur travail aux autres et qui nous fait gagner un temps considérable. Hein. Et parmi ceux qui nous font gagner un temps considérable, là vous avez le must. Hein. Ça on peut le dire. Mais bon. Est-ce que vous essayez de deviner peut-être qui est qui, non ? C'est ça ? Qui est qui ? Ben moi, figurez-vous que c'était terrible parce que on s'est rencontrés hier au soir, je les accueillis, je leur ouvrais la porte et je me disais, mais qui ça peut bien être ? Vous voyez, donc c'était super. Écoutez, moi je vous propose qu'ils se présentent. On va faire passer le micro, je leur poserai à chaque fois quelques questions. On n'est pas obligé de commencer par là, vous commencez dans le sens où vous voulez. Bon, allez, on commence dans ce sens-là ? Vas-y. Alors, je te laisse te présenter. Le nom de ton site, ton nom, le nom de ton site. Bon, parmi vous, il y en a qui me connaissent parce que je suis de la région. Donc, Émilie de Jeux d'école. Voilà, je suis le plus petit site hein, parmi les grandes stars d'à côté. Mais mon créneau, c'est plus vraiment le jeu à l'école. Donc, c'est aussi pour ça que je suis là ce soir. Voilà. Le jeu d'école, alors le petit site, vraiment, elle n'a pas de chance, vraiment, c'est pas de chance. Venez me voir, s'il vous plaît. Combien c'est à peine 1 million de personnes, 1 million de visites. Un petit peu plus 1 million. Hein, c'est. Un petit peu plus 1 million. C'est le nombre, forcément, c'est un gage de pertinence, mais Émilie fait partie de toute cette diversité qui apporte, qui enrichit nos pratiques du quotidien. Et je pense qu'à l'évidence. Tout le monde s'enrichit de ce qui est produit, c'est fabuleux. On reviendra peut-être sur les projets après. Oui, on va aller tout de suite dans les présentations. Hein. Ici, vous avez un petit site aussi, peut-être, mademoiselle, un petit site aussi. Comment il s'appelle ? Donc Morgane du blog Lutin Bazar. C'est elle, Lutin Bazar. Et voilà. Oui, alors... Tu veux que je présente mon blog ? Bon, je déteste parler en public, je ne sais pas ce que je fais là. Bah non, mais retourne-toi, on ne regarde pas. Et donc pas du tout de la région, puisque moi je suis de Toulouse. Voilà, donc c'est pas très loin. Mais j'ai fait le déplacement et je suis ravie de l'avoir fait. On ne va pas faire le jeu de concurrence, mais Lutin Bazar, c'est vraiment... dès que vous rencontrez un maître de cycle 2, ou tu as fait du CE2 aussi, hein, à un moment. Donc à chaque fois, je me souviens d'une collègue qui m'a donné tous ses cours. Elle me dit « Oh, tiens, l'année prochaine, si tu as du CE2, je te donne tout. » En fait, ça avait tout Lutin Bazar. Bon, très bien. Mais je dis « je te remercie beaucoup. » Donc Lutin Bazar, alors là, ça se compte par dizaines de millions, vous voyez, de connexions. On passe à notre suivant. Bon, moi, ça va être moins surprenant, voilà. Donc moi, c'est Mathieu. Donc c'est moi qui tiens le blog de Monsieur Mathieu, voilà. C'est pas très original. Et c'est pas original. Non, on peut lui dire que c'est pas original. Voilà. Comme non, on peut lui dire. Et donc, je suis originaire de Lille. Donc, on a fait un petit peu de route pour venir. J'ai été magnifiquement accueilli par Olivier, qui, au passage, ne se salue pas assez, qui est quand même à l'origine de tout ça, qui s'est battu depuis presque un an, voire plus d'un an, pour mener ça à terme. Donc, personnellement, je suis très reconnaissant, Olivier, ainsi que toute l'équipe. Et donc, voilà, si vous ne connaissez pas, allez découvrir aussi son site, parce qu'il n'en a pas parlé. Il a un site dont le... Alors, pas de chance, là, je ne suis pas sur le bon. C'est celui qui apparaît, je pense, en dernier, parce qu'il se met toujours en dernier, qui s'appelle donc Enchantons l'école. Donc, allez faire un tour, vous verrez, c'est formidable. Alors, Mathieu, beaucoup de ressources axées sur le cycle 2, mais aussi des réflexions sur le système. Hein ? Monsieur ? Alors, moi, c'est Laurent, j'alimente le site Mon École, et puis quelques autres, parce que j'ai le souci de ne pas être souvent satisfait, donc j'ai envie de faire d'autres choses. Moi, je suis très content d'être là aussi, ça a été pour nous une opportunité de se rencontrer réellement, et puis du coup de rencontrer certains. Si vous avez eu
l'occasion de venir chez nous. Je ne sais pas, moi, alors moi c'est si vous avez du cycle 3, sinon il y a peu de chances que vous soyez passé un jour. Tous ici, on n'a pas la prétention de faire mieux que quiconque, hein, simplement on est heureux de pouvoir partager le travail qu'on fait avant tout pour notre classe, et puis si ça rend service, comme parfois, on en est tous très heureux. Voilà. Peut-être alors Lorrain, son nom sur le web, c'est Orphis. Orphis. Donc les sites. Orphis. Comment tu dis? Z. Oh, tu fais un Z à la avec fin un Z. Ah mais je fais jamais Z. Z. Je fais jamais Z. Et tu peux peut-être décliner le nom de tes sites quand même. Tu t'en souviens? Oui, je. Ouais. Bah tous ne valent pas le coup. Hein. Il y en a plein qui sont qui ont été créés un jour c'est et faux. Qui. Ça, peut-être, bah, ce qui vaut pas le coup, c'est seulement 1 million de connexions, vous voyez. Non, mais il y en a qui fonctionnent pas. Mais c'est moi, je les fais avant tout pour moi. Je suis content. Souvent, je les utilise moi avant tout. S'il y en a quelques autres que ça intéresse, tant mieux. Il y a Rallye Lecture, c'est un projet un peu différent qui me prend actuellement beaucoup de temps. Mais il y a une partie payante, donc c'est pas exactement le même principe que mon école où je partage les ressources pour ma classe. Là, clairement, j'ai créé vraiment des ressources à destination des autres classes aussi, même si c'était un besoin que j'avais dans ma classe et une envie. Après, il y a d'autres sites qui vont référencer des livres, livres.monécole, des ressources numériques, ça s'appelle ressources numériques. Et puis, il y a Vidprof, c'est juste pour s'amuser. Entre autres. Classe numérique, mais je crois que si on devait parler des projets, je dirais ça. Donc, oui, d'accord. Je fais pas oui, parce qu'en plus, non, mais, c'est-à-dire que vous avez bien compris que ces gens-là ne sont pas occupés, et donc, hein, ils cherchent des choses nouvelles à faire, ils vont nous l'annoncer en exclusivité tout à l'heure. Oui, alors, j'en parlerai plus. Donc voilà. Voilà, super. Le pingouin. Bon, alors, j'ai plus rien à dire. Donc, je suis Delphine. Dans ma vie internet, je suis Charivari. Donc, j'alimente le site Charivari à l'école. Et qu'est-ce qu'il faut dire là ? Je viens du centre de la France. Et j'ai surtout des ressources en. Non, en fait, c'est, j'allais dire une bêtise. Plutôt pour l'élémentaire, quoi. Je n'ai pas beaucoup de choses pour la maternelle, mais plutôt des ressources pour l'élémentaire. Donc voilà, vous voyez, je suis moi-même très, très ému, impressionné de pouvoir leur rendre hommage ce soir, franchement. Voilà, alors on va peut-être dire quelques mots aussi des choses sur lesquelles vous avez travaillé. Hein, un moment, pas tout de suite, parce que là on vient à peine sur lesquelles vous allez travailler. Ou si vous voulez parler de choses que vous voulez signaler, les projets que vous avez. Et, ça pourrait être intéressant d'annoncer à notre public ce sur quoi ils vont pouvoir se pencher et dont ils vont pouvoir profiter bientôt. Est-ce que tu... Vas-y, je t'en prie. Moi, si, pour ceux qui connaissent un petit peu mon blog, mon grand truc en classe, c'est les ceintures de compétences, un petit peu comme au judo. Vous savez, au début, on est ceinture blanc de maths, et puis ensuite, on devient ceinture jaune, ceinture orange. Donc, j'ai un certain nombre de ceintures qui sont en ligne sur mon blog. Et donc, j'ai la chance d'avoir un poste fixe depuis cette année dans mon école. Alors ça, c'est un truc trop génial, parce qu'avant, j'avais des cartons et tout ça, c'était horrible. Et donc, du coup, des collègues fixes. Et donc, du coup, on a travaillé ensemble sur des ceintures en numération. La ceinture blanche, ce sera les nombres de 0 à 100, et il faudra les écrire en lettres, en chiffres, les placer sur une droite numérique, les classer, les représenter avec de la monnaie, etc. Et puis ensuite, la ceinture jaune, c'est la même chose, mais pour les nombres plus grands, etc. On passera aux fractions, aux nombres décimaux. Donc une ceinture sur la numération, j'espère qu'elle va sortir cet été. Et puis une autre en géométrie. En géométrie, on a pour projet d'être uniquement sur du programme de construction, mais en passant par une ceinture les premières ceintures blanches, ce sera vraiment très très simple, peut-être tracer un rectangle sur du papier quadrillé, voilà. Et puis en augmentant la difficulté, le vocabulaire en jeu notamment, au fur et à mesure de l'augmentation de la difficulté des ceintures. Voilà mes deux gros projets en cours pour cet été, avec les nouveaux programmes, donc sans doute que ces ceintures démarreront, mes prochaines ceintures démarreront au CM1, puisque le cycle 3, ce sera le CM1. Et donc, du coup, on a un projet d'autres choses pour le CE1, CE2, qui serait un petit peu sur le même principe, mais voilà. Bon, ça, c'est
pour 2028. Hein, voilà. Avant de parler d'éventuels projets, je tenais juste à préciser, là vous nous voyez un petit peu déstabilisés ici, on a le luxe sur internet de pouvoir partager librement notre travail, on le met en ligne et si ça intéresse quelqu'un, ils viendront le voir, si ça les intéresse pas, ben, ils viendront pas le voir. Là je me dis que si ça intéresse pas, vous êtes quand même contraints d'être là dans cette salle à m'écouter, donc c'est un peu plus déstabilisant, donc je vais pas faire trop long. Là, le projet que je suis en train d'essayer de faire, j'espère que ça ira au bout, hein, à chaque fois, je vais essayer de faire au mieux, ça s'appellerait classe numérique. À la base, je voulais simplement créer des exercices en ligne faits par les enseignants et pour les enseignants. Et puis, finalement, je me dis que quelque chose qui m'aurait beaucoup servi en classe, ce serait vraiment, je fonctionnais par plan de travail, et donc ce serait de créer des plans de travail, mais numériques, puisque vous savez ce que c'est, passer des mercredis entiers à corriger les 30 plans de travail des CM2, c'est pas la folie. Donc le but, ce serait voilà, qu'on puisse créer des plans de travail personnalisés pour sa classe, et qu'ils se corrigent tout seuls, qu'on puisse avoir simplement une validation, l'enseignant va voir, bah, ça t'a réussi, pas ça, on va retravailler ça. Donc voilà, c'est le projet en cours, ce ne sera pas pour tout de suite. Les exercices, ils arrivent au fur et à mesure, donc vous pouvez déjà les utiliser librement. Mais le système de gestion des comptes, des classes, tout ça, ça prend un peu de temps. Et puis j'ai pour seule compétence de passer un petit peu de temps dessus. Donc j'apprends tous les jours et là, ça demande un peu de développement. Donc ce n'est pas toujours évident. Voilà, donc si ça intéresse quelqu'un, ce sera avec plaisir de vous y retrouver et surtout... N'hésitez pas à proposer des sites. Alors c'est toujours un peu manuel avec moi, c'est-à-dire vous allez me proposer des exercices, puis après moi je vais les transformer pour qu'ils deviennent interactifs. Mais voilà, moi je fais ceux qui sont pour ma classe, donc il y aura beaucoup de CM1, CM2 pour l'instant. Si vous voulez vraiment qu'il y ait des choses pour les autres classes, bah, je compte sur vous aussi pour faire des exercices pour votre classe avant tout, et puis qui serviront à d'autres. C'est un peu le principe qu'on essaye de mettre en avant sur nos blogs. Donc voilà. Bravo, super. Voilà, ça met la pression. Donc moi, pour ceux qui connaissent un peu le site, c'est vraiment, enfin la ressource qui fait peut-être un peu plus spécifique par rapport à mon site, c'est que je propose des jeux de plateau qui vont de la moyenne section jusqu'au CE2, voire CM1, CM2 pour certains, comme Loup et le Loup pour ceux qui connaissent. Donc l'année prochaine, ce sera la continuité là-dedans, puisque c'est pour ça d'ailleurs que j'ai salué l'effort qu'ont fait les nominés à se présenter aujourd'hui devant nous, puisque c'est ce que je fais moi toute l'année aussi. Et je sais ô combien c'est difficile de ne pas être déstabilisé par des questions, combien c'est difficile d'expliquer simplement, alors que nous on a tout en tête, d'expliquer à des personnes qui ne connaissent rien à votre jeu comment ça se passe. Donc l'année prochaine, ce sera encore une année de prospection pour moi pour essayer de trouver de nouveaux éditeurs. Bon, cette année, je suis content, j'en ai trouvé quelques-uns. Et pour ceux qui connaissent aussi, je vais continuer le site Les Mini Profs, qui est donc un site en lien avec le mien, où grosso modo, c'est les enfants qui créent eux-mêmes leurs ressources, qu'ils publient eux-mêmes. Donc c'est quand les élèves font la classe par eux-mêmes. Donc tout ça à partir de Telagami, pour ceux qui connaissent, c'est une application. Et il y aura aussi certainement une V2 d'un jeu de plateau qui m'avait été demandé, qui s'appelait J'invite un banquier dans ma classe. Voilà, donc pour les projets, pour l'année en venir, ce sera ça. C'est pas mal, hein. Il y a de quoi faire. Oui. Alors, au niveau des projets, moi je vais plus parler du coup d'un projet qui vient d'aboutir, c'est tout simplement le transfert de mon blog, qui m'a quand même pris quelques semaines, quelques heures de travail, parce qu'il a fallu transférer 350 articles à peu près, un par un. Donc c'était un gros travail. J'espère que voilà, le résultat est au rendez-vous. Et l'année prochaine, ben, contrairement à mes collègues, moi je vais me poser un peu. Donc je vais partir un peu en vacances et faire des mini-projets. Voilà. Essayer de reprendre un peu certains thèmes déjà abordés ou pas, mais sur des mini-projets et faire un break d'un an sur ce qui est gros projet. Voilà, donc je mettrai à jour avec tout ce que j'ai pas eu le temps de mettre à jour cette année, de mettre en ligne. Et puis pas mal de contributions aussi qui me sont envoyées et qui méritent qu'on y jette un coup d'œil. Donc voilà, projet modeste. Il est très beau ton nouveau site, Lutin, vraiment très beau. Super.
Donc moi, eh bien, je pense que je mettrai deux nouveaux jeux en ligne. Je ne sais pas du tout encore lesquels, sur quel thème. Ça viendra au fur et à mesure des besoins dans ma classe. Et puis peut-être quelque chose aussi autour de l'évaluation à voir. Ça reste encore assez flou, donc voilà, si vous voulez en savoir. Un quatrième enfant, donc bon. J'étais en grande vacances là, donc. Et toi, Olivier, des projets ? Alors moi, écoutez, là, je viens de mettre en ligne l'analyse d'un usage d'un jeu qui s'appelle Feelings, que vous pouvez découvrir sur le Flip, qui est à la Chapelle des Cordeliers. Je vous invite à aller à la Chapelle des Cordeliers. Pour la première fois, on a voulu investir le lieu sur une nouvelle thématique, c'est-à-dire le côté artistique du jeu. Et il y a un jeu qui est présenté, qui s'appelle Feelings, et l'artiste est venu exposer tous les tableaux qui ont servi de support à Feelings. Et c'est un jeu, ça vaut vraiment le déplacement, parce que c'est un jeu sur les émotions, Feelings, dont on parle énormément, notamment dans les sphères, les hautes sphères de l'éducation nationale, qui veut absolument, qui a trouvé dans Feelings un outil pour travailler les émotions, qui est un outil de lutte contre le harcèlement, qui favorise l'empathie. Et bien écoutez, le festival a réussi à avoir ce jeu-là en première exposition avec l'artiste. Et en plus, à l'intérieur de l'expo, il y a un petit jeu. Chaque jour, vous pouvez mimer une émotion. Et oui, je crois qu'il y a une boîte de jeux à gagner. Allez découvrir ce jeu, ça vaut vraiment le coup. Donc j'ai mis ça en ligne, une analyse de ce jeu que j'ai fait avec ma classe, donc 30 élèves. Et puis je vais poursuivre un projet qui est sur l'intergénérationnel qui s'appelle C'est pas de la tarte, et qui vise à faire en sorte que les enfants créent des jeux de gymnastique cérébrale pour les personnes âgées. Oui, enfin, les personnes âgées, les seniors, quoi. Donc voilà mon projet de l'année. Voilà. Alors, maintenant qu'on a fait une partie du mystère est dissipée, il en reste, je suis certain, il y a plein de questions que vous avez envie de poser, j'en suis persuadé. Il y a toujours cette question mystérieuse, mais comment font-ils ? Ça, c'est impressionnant, c'est vrai, on se pose tous. Qui avait envie de poser cette question, comment font-ils ? Oui, ben c'est ça, ben c'est sûr, ben ouais, forcément. Mais peut-être que tout doucement, une fois qu'ils se sont décontractés, ils nous diront leur secret. Soit ils prennent du sirop, soit ils mangent de la viande dès le matin, enfin, je ne sais pas ce qu'ils font. On est là, on a travaillé vraiment tous ensemble sur la question du jeu et des apprentissages. On peut peut-être, si vous voulez, entamer une discussion, un libre échange. Si vous avez des questions à poser au jury, ou si vous voulez que je pose une première question, c'est comme vous voulez. Mais ça peut être déjà intéressant d'entamer un dialogue comme ça sur la question des usages du jeu dans vos classes, dans les classes en général. Et vous avez là des gens qui sont riches déjà de milliers de témoignages qui leur sont donnés sur leur site. Alors, n'hésitez pas, est-ce que vous avez une question particulière sur le jeu ou sur un usage de jeu ? Oui ? Ah, je vais. Je vais passer. Il y a un micro dédié. Je vous l'amène. Oui, bonsoir, je suis professeure des écoles en Vendée et je suis une de vos premières fans certainement parce que j'utilise beaucoup vos jeux en français et en maths, surtout le matin, tous les matins. Et j'aimerais savoir vous, comment est-ce que vous utilisez vos jeux en classe dans votre emploi du temps ? Ce sont les jeux de qui ? Les cinq confondus. Pas de jaloux. Alors, je veux bien commencer. De mon côté, j'ai un CM2 cette année, un CM2 pur, et j'ai choisi de consacrer les 20 premières minutes de chaque demi-journée à un temps d'atelier où donc les élèves entrent en classe et s'assoient, alors soit avec qui ils veulent, soit avec qui ils veulent dans un groupe d'élèves, et tournent tous les jours sur un jeu différent. Alors, quelquefois, c'est des jeux très, 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 très orientés grammaire, hein, mais c'est pas que du. Voilà, c'est plus ou moins ludique, mais en tout cas, ils ne font que jouer les 20 premières minutes en atelier, un peu à la manière de la maternelle, ou voilà,
Ils jouent ou ils s'entraînent aux ceintures sous forme de duel. Que dire d'autre, sinon en aide personnalisée. Et sinon, moi, la seule chose que je fasse, c'est des jeux en fond de classe, mais uniquement s'ils sont parfaitement silencieux, pour les élèves qui ont terminé en avance. Mais donc, ça limite un petit peu le nombre de jeux qu'on peut utiliser en fond de classe, forcément, enfin, dans ma pratique, en tout cas. La question, c'est comment on les utilise en classe, c'est ça ? Nous ? Je croyais que la question était que pour Mathieu, c'est pour ça. Je fais beaucoup moins de jeux que certains ici. Les rares jeux que je fais, ils s'utilisent surtout en autonomie, puisque mon fonctionnement sur les jeux, c'est simplement, j'ai des ateliers hebdomadaires, et donc dans ces différents ateliers, il y a un atelier jeu, mais qui doit se faire en autonomie, puisque moi j'ai un autre petit groupe pendant ce temps-là. Donc du coup... ouais. Bon, bah moi, c'est un petit peu mon dada, donc je vais essayer de faire court. Tu arriveras pas. Long, hein. Merci. Bon, moi, ça a été une volonté dès le début. Ça fait 11 ans que j'enseigne, ça fait 11 ans que je pratique la pédagogie par le jeu. J'ai déjà eu des prises de bec avec certains IEN qui trouvaient que je jouais trop en classe. Donc j'ai dû expliquer maintes et maintes fois ma position, j'ai dû expliquer maintes et maintes fois ma pédagogie. Donc pour la résumer, c'est assez simple. En fait, au niveau de mon école, on a institutionnalisé 15 minutes de temps d'accueil, vraiment en début de journée, le matin et en début d'après-midi. Donc de 8h30 à 8h45, 13h30, 13h45, c'est des temps d'accueil en classe. Donc les collègues le gèrent comme ils veulent. Moi, j'ai choisi d'en faire un temps dédié au jeu, spécifique au jeu. Ensuite, c'est vrai que plusieurs années de suite, j'ai eu des cours doubles, donc, où en plus, ils étaient bien répartis. Donc, c'est vrai que je me retrouvais avec des groupes de 10 pour chaque niveau. Donc, des fois, je jouais pendant que l'un des deux niveaux était en autonomie. Après ça, j'ai fait le choix, des fois un peu risqué, mais souvent récompensé, d'inviter 3 fois par semaine, en fait, des parents et des grands-parents et des nounous et des grands frères et grandes sœurs, à partir du moment où ils étaient majeurs, à venir jouer en classe. Partant du principe, aussi simple soit-il, qu'autour de chaque enfant, il existe 4 à 6 personnes, si on compte les papy-mamies et si tout le monde est encore là. Donc quand on a une classe de 30, avec 6 personnes autour, c'est ce que j'explique en réunion de début d'année, on a 180 adultes potentiellement disponibles pour une heure dans l'année. Donc c'est ce que je leur explique, je leur dis, voilà, je vous demande une heure. Donc une heure, ça se trouve, même si c'est difficile. Alors je comprends que certains parents me disent non, hein. Il y a des parents qui me disent non, mais bon, moi je peux vraiment pas, je comprends, il n'y a pas de souci, je ne juge pas, je vous dis simplement... À mon sens, c'est possible, mais c'est vrai que des fois, c'est difficile. Il y a des parents qui viennent toutes les semaines, il y a des parents qui viennent toute une période, et il y a des parents qui viennent toute l'année. J'ai même des mamies qui reviennent d'année en année, c'est-à-dire que même quand j'ai plus leurs petits-enfants dans ma classe, elles continuent de venir. Tout simplement parce qu'elles se sont rendues compte que, et c'est là où c'est formidable, elles se sont rendues compte que le jeu leur apportait à elles également. C'est-à-dire que moi, j'ai des mamies qui, grosso modo, s'embêtaient chez elles, parce que à partir du moment où les petits vont à l'école, elle a pu les garder, donc ils sont à l'école, elle a envie de venir passer du temps avec ses petits-enfants. Et après, une fois que les petits-enfants sont partis au collège, par contre, au niveau du collège, même si je le regrette un peu, les portes sont souvent closes, donc elle se dit, je vais continuer de venir à l'école primaire. Donc c'est vrai que ça s'organise beaucoup comme ça. Donc c'est vrai qu'au niveau d'une semaine, il peut arriver par semaine que je sois entre 8 et 10 heures de jeu dans la classe, que ce soit du jeu autonome, que ce soit du jeu dirigé, que ce soit du jeu, ce que j'appelle du jeu libre. C'est-à-dire que ça, par contre, en tant qu'enseignant, c'est très difficile. C'est pour ça que je suis déjà un peu sourd. C'est-à-dire que je tolère dans ma classe un niveau de bruit important. D'ailleurs, j'ai été plusieurs années maître tuteur où j'accueillais des professeurs stagiaires dans ma classe qui repartaient en courant. C'est-à-dire que vraiment, j'accepte les périodes de jeu libre, jouer pour jouer. Avec ce que ça implique, hein. C'est-à-dire que la seule chose dont je me préoccupe à ce moment-là, c'est la sécurité des enfants. C'est-à-dire de ne pas se mettre en danger, mais on est en feu vert, parce que je dis aussi système de feu. Parler librement, rire librement, intervenir librement. Donc ça, il faut le vouloir. Moi, personnellement, j'aime, je peux comprendre que certains soient gênés. Voilà, donc ça se fait à la fois le matin, tout début de journée, tout début d'après-midi, ensuite dans des plages vraiment inscrites. J'ai un emploi du temps géant dans ma classe, les enfants savent quand est la période de jeu, ils l'attendent souvent. Donc forcément, elles se situent dans des périodes de creux, au niveau de l'attention, donc c'est-à-dire aux alentours de 15h. J'essaie malheureusement aussi de les placer, des fois aussi par pragmatisme, c'est-à-dire j'essaie de les placer en fin de journée pour que les parents qui posent une RTT, ce soit plus facile, qu'ils n'aient pas à faire l'aller-retour, venir jouer, repartir chez eux, revenir les chercher. Voilà.
Alors, moi, je joue beaucoup moins que Mathieu dans ma classe. Mais c'est, ça se découpe sur trois temps. Donc, il y a un temps qui est dédié toutes les semaines, d'une heure à une heure et demie, tous les lundis, où c'est un temps d'atelier. Donc, en général, il y a quatre ateliers. Il y a toujours un jeu dirigé avec moi. Un à deux autres jeux auxquels on a déjà joué donc, et sur lesquels ils peuvent jouer en autonomie. Et après, un groupe purement autonome là, sur un travail sur fiche, etc. Parce que voilà, je ne mets jamais toute la classe en jeu en même temps sur ces temps-là. Je fais pas mal de jeux, soit en découverte, soit en remédiation, sur les notions vraiment purement de grammaire et de mathématiques. Donc ça, c'est plus avec les CE1. Et ensuite, j'ai un coin atelier en autonomie avec des jeux, pas tous les jeux qui effectivement ne vont pas nécessiter un fort niveau sonore, auxquels ils peuvent jouer sans moi, et des jeux qu'ils connaissent déjà, donc ils ne découvrent pas, c'est des jeux voilà, qui sont familiers pour eux et qui leur permettent de s'entraîner de manière ludique et... Voilà, j'essaye quand même d'avoir toujours ce temps d'atelier parce que finalement l'autonomie, malheureusement, il y a des enfants qui ont peu de temps d'autonomie sur la semaine, donc je trouve ça dommage de limiter les jeux au temps d'autonomie. Je trouve que c'est pas sympa. C'est des enfants qui ont jamais le temps de jouer. Donc voilà, toujours une heure et demie par semaine, mais ça se limite à ça et c'est pas quotidien, mais j'estime que déjà c'est pas mal si on arrive à faire ça toutes les semaines et à tenir ça toute l'année. Moi, je suis assez satisfaite, donc voilà. Donc moi, c'est plutôt une utilisation quotidienne du jeu, un petit peu comme Orphis, mais alors plus souvent que toi peut-être. Je fonctionne très régulièrement en atelier sur les séances de mathématiques et de français. Et donc il y a à chaque fois un atelier jeu, soit en autonomie, soit avec moi. Ça dépend si les enfants le connaissent ou ne le connaissent pas. Il y a aussi tous les jeux qui sont à disposition dans la classe et que les enfants peuvent utiliser dans leur temps libre, pendant les récréations également. Et je fais de temps en temps aussi des séances, comme tu fais, de découverte sous forme de jeu, ou là, toute la classe entière, quand le jeu s'y prête. Mais oui, il y a au moins par jour 20 minutes de jeu. Par contre, ce n'est pas spécifié dans l'emploi du temps, ça dépend vraiment de mes besoins au niveau de la séquence. Voilà. Vous avez compris la pertinence d'avoir comme ça ces experts du jeu quand même, vous avez bien compris qu'ils pouvaient analyser ça avec toute leur expérience. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Oui ? Bonjour et merci. Jocelyne Zil sur une circonscription voisine. Là. Donc, je vois plein d'écoles, donc je vois plein de jeux. Plein de classes, plein de jeux. Vous qui jouez beaucoup en classe, qu'est-ce que vous faites en APS ? En APC, pardon. Est-ce que vous jouez encore ? Oui. Est-ce que vous jouez à des jeux particuliers ou qui demandent moins de gens, moins de joueurs ? Non ? Moi, personnellement, c'est les mêmes jeux en classe ou en APC. Mm-hmm. Ouais. Voilà, ça dépend des besoins, là aussi, des enfants. Et je sais pas, les autres, ce que vous faites, vous, en APC. Moi, effectivement, je continue de jouer, sinon, voilà, ça serait un non-sens. Après, en termes de jeux utilisés, alors, il y a quelques jeux du commerce, dont certains étaient dans la sélection, des 10 ou des 30. Hein. Il y a aussi des jeux plus familiaux, type Abalone, type Othello, pour ne pas les citer, jeux d'échecs, etc. Et après, il y a des jeux que je crée moi-même, par besoin, c'est-à-dire vraiment, ou par nécessité, parce que les jeux éducatifs sont très chers, y compris les miens. Oui, c'est à la fois, c'est tout type de jeux, des jeux qu'on trouve dans le commerce. J'ai aussi trouvé, par exemple, cette année, à la braderie de Lille, j'ai trouvé des Magic Snakes Cubes. Ça ressemble à des Rubik's Cubes, pour ceux qui connaissent, mais c'est en forme de serpent. Donc, si vous ne connaissez pas, allez voir, c'est formidable. C'est essayer de partir dans toutes les intelligences, qu'elles soient à la fois kinesthésiques, visuelles, auditives. Donc il y a des jeux aussi sur les ordinateurs, je me sers notamment de ce que publie Orphis, qui est quand même formidable, hein. il s'est ramoindri par rapport à ce qu'il propose, mais c'est... ou ce que propose aussi, alors si vous connaissez le site logiciel éducatif dont s'occupe GC, voilà, qui... voilà. D'ailleurs, on va quand même en profiter aussi pour parler, parce qu'on en est tous membres, de la CPB. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est anciennement les éclats profs.
C'est un logo que vous trouverez sur chacun de nos sites. Hein. C'était des enfants qui se tenaient la main. Maintenant, c'est un arbre en forme de main. Non, c'est pas ça ? Je sais plus. Et quand même, pour vous donner un ordre d'idée, donc c'est quand même 257 profs blogueurs en France qui participent à cette communauté, qui des fois sont même passionnés, sont enthousiastes, qui des fois malheureusement sont désespérés. Alors désespérés, je vais quand même en parler aussi, il faut des fois taper là où ça pique, parce qu'effectivement c'est des personnes qui se consacrent à corps et à cri à leur travail, qui passent du temps. Et vous n'imaginez pas le temps qu'on passe à mettre en ligne des ressources et qui, des fois, malheureusement, ont des retours un peu malheureux. Je pense des commentaires postés trop vite. Je pense à des gens qui font des demandes sans même un s'il te plaît ou sans même un merci. Je pense à des gens qui demandent des trames originelles sans jamais renvoyer leur production. Et malheureusement, il y a donc parmi ces 257 pro-blogueurs des gens qui arrêtent. Et ça, je le regrette. Donc je voudrais quand même qu'on les salue tous parce qu'il y a quand même effectivement plus de 250 personnes qui travaillent uniquement pour les autres et qui partagent pour les autres. Excusez-moi. Voilà, la question était sur les APC. Bah si, j'avais répondu juste avant. Si, voilà, j'utilisais les jeux commerciaux et les jeux et les miens, et puis voilà, d'autres jeux et tout type de jeux. Alors moi, en APC, je joue pas forcément. Ça dépend. Ça dépend de la compétence qu'on cherche à travailler. Pourquoi pas. Disons que c'est pas interdit de jouer, mais c'est pas interdit de faire autre chose. Voilà. Moi, je vais me permettre de signaler, que, parce que l'année dernière, l'éditrice des jeux était là, moi j'utilise TamTam, quand j'en ai l'occasion. Hein. Ce sont des cartes sur le principe du double, en fait. Hein. Et par exemple, pour les révisions de l'étape de multiplication, pour aussi travailler sur les confusions de sons, j'utilise ces cartes, donc par petits groupes, et ça marche bien. Ils sont contents, et je trouve que les progrès sont faits dans la mémorisation. Voilà. Oui, ouais, c'est ça. Ouais, c'est vrai qu'on n'a pas cité beaucoup de jeux utilisés. Alors, par exemple, dans la sélection, il y a un qui malheureusement n'était plus dans les 10, mais il y a un jeu formidable qui s'appelle Vol des Tours, qui en l'occurrence porte très bien son nom. Donc je vous incite à le découvrir. Moi, je lis en lien avec les échecs et les tangrammes. C'est un jeu formidable. Donc si vous voulez le noter, notez-le. C'est Vol des Tours, ça s'écrit tout collé. Ou après il y a des jeux très anciens qui marchent très bien comme des télécrans, moi j'ai des télécrans dans ma classe. Alors le premier jour de l'année les enfants pensent qu'on a des tablettes. Voilà. Et au final, et la dernière fois j'ai quand même eu une réflexion extraordinaire, on était parti au parc en face de l'école parce qu'il faisait une chaleur de dingue comme vous avez tous eu, et donc on est parti avec des livres, on est parti avec des jeux et on est parti avec les télécrans, et j'ai entendu une phrase magnifique d'une CM1 que j'accueillais puisque sa maîtresse était absente et qui a dit oh, mais c'est encore mieux qu'une tablette. Oui, vas-y. Pour compléter, oui, sur les APC, moi effectivement je joue beaucoup. Alors ça dépend du type d'APC. Il y a quand même trois types d'APC différents. Voilà, donc voilà, sur les APC où on prend un groupe d'élèves en difficulté, il m'arrive souvent de jouer. Mais pas que. Je pense que c'est, enfin pour moi en tout cas, c'est un temps où on a le temps de manipuler. Alors c'est pas forcément des jeux, mais juste le temps de prendre. Alors moi, j'utilise la méthode de Pigby, mais le temps de vraiment sortir les boîtes, les jetons, et de vraiment manipuler, ce qu'on n'a pas forcément le temps de faire en classe, finalement, à 25 élèves, double niveau. On le fait au début, et puis après, c'est difficile, on laisse le matériel à l'enfant, et puis finalement, il ne sait pas comment s'en servir. Donc je pense que c'est des temps qui sont importants pour la manipulation. Le jeu, si j'en ai, qui se prête à la compétence travaillée, pourquoi pas, ça m'arrive souvent même. Et après, voilà, il y a d'autres types d'APC où je profite de cette... j'en profite pour tester. Là, cette année, j'ai testé les ateliers philo et c'est vrai que ça développe des capacités qui peuvent être aussi développées par certains jeux, mais c'est des choses à tester. Je trouve qu'on a la chance maintenant d'avoir des APC un peu diversifiés et on ne prend pas que les enfants en difficulté. On peut vraiment faire des groupes distincts et c'est riche pour ça. Oui. C'est quoi APC ? Aide personnelle.
APC, alors Mathieu me souffle dans l'oreillette que c'est activité pédagogique complémentaire. C'est le soutien, c'est une heure par semaine que chaque professeur donne de manière différente selon l'organisation de l'école, mais pour aider généralement un petit groupe d'élèves. On dit aider, mais ce n'est pas forcément aider, ça peut être aussi pour le projet d'une école qui peut, par exemple, faire du théâtre ou faire de la chorale ou faire voilà. Donc c'est souvent soit du soutien, soit quelque chose lié au projet de l'école. Oui. Moi, je ne vous connais pas du tout, je ne suis pas du tout enseignante, je viens comme ça par hasard. Et je me demandais si vous aviez déjà imaginé créer un jeu avec les enfants. Bah oui, c'est vrai que déjà d'une, alors moi les jeux que je crée à la maison, tout ça, généralement ils me viennent d'inspiration des enfants. Mais après c'est vrai que dans ce qu'on appelle le socio-constructivisme, qui est un gros mot, même si ça n'est plus tellement à la mode du jour, il faut effectivement construire les compétences avec les enfants. Donc ça arrive très fréquemment effectivement qu'on construise des jeux ou que les enfants me disent « Ah bah tiens, on va sortir un papier craft, on vous fait les boches, hein, monsieur Mathieu, puis ensuite vous nous le faites bien, ça leur dit « Ah merci, merci ». Mais oui, je pense que tous on le fait, hein, voilà. Ça, on essaie en fait, pas à chaque fois, voilà. On essaie en fait de partir de ce que les enfants nous apportent, parce qu'ils peuvent nous apporter énormément. Moi, généralement, je leur dis, vous m'apportez des petits trésors tous les jours, on va en parler, etc. Et que ce soit sur la construction d'un jeu ou autre chose, c'est vrai qu'on essaie d'impliquer les enfants et de faire en sorte que ce soit eux qui construisent les choses, plutôt que ce soit nous qui fournissions tout sur un plateau. Voilà. Voilà. Une autre question ? Une remarque, une réflexion ? Pardon. Bonsoir. Moi, je voudrais juste savoir, pour être des enseignants que j'aurais aimé avoir et que j'aimerais que mes enfants aient, avez-vous été des enfants dits insolents ? Moi, j'étais très bavarde. Très bavarde. Insolente ? Non, je crois pas. Moi, j'ai des souvenirs d'avoir eu des professeurs affectueux. Donc je n'étais pas insolente avec des professeurs affectueux. Voilà. Alors, peut-être pas insolent, mais c'est vrai que... Bon, moi, par exemple, les 4 premières années, j'ai enseigné à Roubaix, dans une école très en difficulté. Où grosso modo on appelait les pompiers une fois par période, hein, ou deux. Et moi comme élève, j'avais pas compris la question. Moi comme élève, moi j'étais assez intrépide, oui. Voilà. Pas insolent, mais voilà, voilà. Non, c'était deux petits élèves très. Lutin, alors insolente ou pas lutin? Ça a changé avec l'âge un peu peut-être, c'est ça. Mais non, pas du tout. Moi, sur mes bulletins, je crois que du CP à la 5e, il y a marqué élève lente. Voilà, donc j'étais une bonne élève, mais lente, un peu maniaque, qui prend son temps, qui finit jamais rien. Et voilà. Mais pas insolente, non. Sage comme une image. Hein ? À toucher le fond, creuse encore ? Non, rien de particulier à signaler. Dans ma scolarité, non, bah, je, comme tout le monde, le primaire, généralement, ça se passe bien, c'est après que ça... Mais, Moi, j'aimerais que tu nous redonnes le nom de ta fac d'hier. Quoi ? Le nom de ta fac d'hier. Non. Après, moi, j'ai surtout des souvenirs d'enseignants, c'est-à-dire... On est tous tombés sur des instituts ou des professeurs qui nous ont marqués. Et c'est un petit peu ce qui a pu nous donner envie et ce qui nous a guidés même aujourd'hui pour nous motiver un petit peu tous les jours. On est tous pareils, on n'est pas motivés tous les jours. Ce qu'il faut, c'est profiter de nos bons jours pour avancer le maximum. Après, on a tous eu aussi des enseignants moins qui nous correspondaient moins, on va dire.
Et ça m'a aussi, moi, motivé. Alors, c'était plus grand. Hein. Ça m'a motivé en me disant, moi, j'aimerais bien pas être comme ça. Et du coup, même encore maintenant, ça me motive en me disant, j'espère que chaque enfant qui est devant moi, chaque élève, non, ne se dit pas ça, mais même si je fais des erreurs et je ne peux pas correspondre en chaque situation en ce qu'ils aimeraient avoir, mais qu'ils se disent que j'ai au moins essayé de faire au mieux, quoi. Par contre, c'est vrai que je pense que c'est un des traits communs dont on retrouve le plus souvent chez l'ensemble des enseignants de nos jours, c'est quand même la bienveillance. Et c'est vrai que moi, par expérience, j'ai eu certains enseignants, étant moi-même élève, qui n'étaient absolument pas bienveillants. J'ai eu des appréciations assassines. Je pense que maintenant, quand même, une grande majorité d'enseignants essaient d'être dans la bienveillance, d'être dans l'accompagnement, dans la construction de l'estime de soi. Et en ça, c'est déjà, alors certes pas partout, hein, pas dans toutes les équipes, pas avec tout le monde. Il y en a qui s'accrochent à l'autoritarisme forcené, il y en a qui ne connaissent pas la discipline positive, il y a des bons, il y a des moins bons. Mais chacun fait après à sa manière, selon sa personnalité, son vécu. Mais j'ai l'impression, c'est peut-être qu'une impression, mais que ça progresse dans les écoles et en ça, c'est un bien. Autre question ? Oui. Donc voilà, bonsoir, je m'appelle Julien, je ne suis pas du tout dans le monde de l'école, etc. Par contre, j'ai eu l'occasion de travailler avec des instituteurs et des institutrices l'année dernière sur une étude sociologique sur la question de la place du jeu, alors en Isère par contre, pas du tout ici, je suis désolé. Et je crois que sur une dizaine d'entretiens, j'ai eu 8 instituteurs et institutrices, hein, pour ne pas genrer le discours, qui m'ont officiellement, professeur des écoles, pardon, qui m'ont ouvertement dit, chez nous, on ne joue pas, on éduque. Et je voulais avoir votre réponse par rapport à ça, votre point de vue, parce que ça m'a beaucoup choqué, étant moi-même joueur depuis longtemps, de me dire qu'à l'école, on ne joue pas, on éduque. Alors, ça ne m'étonne que peu. Alors moi, j'ai eu ça, mais de la part d'un IEN. Voilà. Alors clairement, un inspecteur de l'éducation nationale. Alors ce qu'il faut savoir face à un IEN, c'est qu'il ne faut jamais se démonter. En l'occurrence, je suis quelqu'un de convaincu, donc quand je suis convaincu de quelque chose, j'ai tendance à défendre bec et ongles ce que je préconise. Donc ça m'est arrivé d'avoir ce type de remarques. Et donc je lui ai dit que, notamment à l'école, d'une part, nous n'étions pas là que pour éduquer. D'une part, on est quand même là pour enseigner des choses. J'ai notamment ensuite cité Pauline Cargomar, donc si vous n'avez jamais lu, je vous incite vraiment à lire tous ses écrits, qui parle quand même du jeu comme étant le travail de l'enfant. Si vous n'avez jamais lu aussi tous les écrits d'Antoine de la Galandrie ou de Michel Hoy, Michel Hoy par exemple disait que pour construire Homo sapiens sapiens, il faut d'abord construire Homo ludens, c'est-à-dire le faire jouer. Voilà. Donc après, tout est force de conviction, c'est-à-dire je pense que vraiment que quelqu'un qui est convaincu par quelque chose peut arriver à faire croire n'importe quoi à n'importe qui. Et donc je pense qu'il faut, voilà, il faut pas s'arrêter à des fois aux portes sur lesquelles on tombe ou des gens qui sont pas ouverts sur la question. Je pense vraiment qu'on peut jouer et travailler et apprendre par le jeu, et je pense même que le principal vecteur de construction d'une compétence doit être le jeu et pas uniquement en maternelle. C'est-à-dire que bien souvent, c'est vrai qu'on joue beaucoup en maternelle, on joue beaucoup en cycle 2. Arrivé en CE2, et je suis ravi d'avoir du CE2 l'année prochaine, beaucoup d'enseignants se mettent une barrière, se disent qu'ils n'auront pas le temps de jouer, qu'ils ont un programme trop lourd, trop chargé, alors que finalement, on peut tout à fait faire des séances de découverte, des séances d'atelier, qu'on peut construire des compétences via le jeu, voilà, sans perdre de temps. Moi, j'ai chaque année, alors pas non, j'en ai jamais fait une priorité de boucler le programme, mais j'ai en tout cas vu tout ce que je voulais voir avec les enfants en consacrant une part énorme au jeu. Voilà. Donc on peut jouer, mais rien n'est contraire. Une autre question peut-être ? Je voulais juste peut-être aussi vous poser une question. Comment est-ce qu'on peut évaluer la notion d'évaluation? Vous savez à quel point le système nous ennuie avec cette question en permanence. Et comment on peut répondre
ce défi. Alors, finalement, comment vous évaluez vos pratiques? Alors, comment on évalue notre les enfants. T'as pas une autre question? C'est pas une question simple. Alors, je pense qu'on a tous une réponse différente. Dans ma classe, mes élèves jouent pour construire la compétence, pour apprendre, et je n'utilise pas le jeu pour évaluer. L'évaluation, elle vient dans un deuxième temps. Et avec le jeu, on construit une compétence, on entretient ses connaissances, par exemple, et à la fin du processus, j'évalue. Mais c'est, chez moi, c'est dissocié, en tout cas, la plupart du temps. J'ai peut-être des exemples qui me viendront plus tard, mais pour moi, le jeu, il est vraiment en amont du processus d'apprentissage. C'est là qu'on apprend. Et tant qu'on ne sait pas, je n'évalue pas. Enfin, on essaye de... Voilà. Pareil. C'est compliqué comme question, Olivier, merci. Tant pis, on n'allait quand même pas vous laisser partir sans ça. Hein. Mais on est bien sur comment évaluer les progrès qui sont faits dans le jeu. C'est ça la question. Par le jeu, oui. Par le jeu. Mais moi, je distingue deux sortes de jeux. Déjà, les jeux, justement, qui me permettent d'entrer dans une notion, dans une séquence. Alors, effectivement, ils peuvent y revenir après en remédiation. Mais c'est des jeux généralement rapides et sur lesquels on va pas s'éterniser. Et je pense qu'après, il y a des jeux qui méritent qu'on y revienne et qu'on y revienne encore. Et les progrès, on les voit. Il y a des jeux où les enfants mettent en place des stratégies, où ils développent leurs compétences. Donc on voit les progrès, on le voit aussi dans le plaisir qu'ils prennent à jouer finalement et à prendre les jeux sans qu'on leur demande de les prendre. Donc c'est signe de plaisir. Et ensuite, en toute logique... Quand le jeu était efficace, il y a quand même un transfert qui se fait sur le côté oui. qui se fait après sur le travail de classe, dans les cahiers, etc. Il y a un transfert et souvent les enfants disent « mais si, ça on l'a vu lors de tel jeu ». Donc voilà, ça se fait comme ça. Après, évaluer, on n'est pas effectivement dans de l'évaluation avec une note à la fin et voilà. Je me doutais que vous alliez répondre ça, c'était simplement que par moment on a des craintes, on ne se lâche pas finalement, on n'ose pas, et alors qu'en jouant, en fait, les choses se construisent d'elles-mêmes. Mais je pense qu'il ne faut pas attendre un résultat à la fin de la partie, quoi. Il faut vraiment le laisser sur la durée, et il faut que ça mûrisse, quoi. Il ne faut pas se dire que la séquence elle est finie, donc ça doit être acquis. Après, bon, c'est aussi une pédagogie, moi je sais que mes élèves, les livrets d'évaluation, je les remplis en juin, quoi. Je valide rien avant la fin de l'année et j'estime que voilà, à la fin de l'année, on voit vraiment ce qui est mûr entre guillemets ou ce qui l'est pas. Et je fais pas une évaluation à la fin de chaque séquence parce que de mon point de vue, ça n'est pas utile et que ça s'apparente souvent à du bachotage. Donc tout est acquis et puis on réévalue deux mois après, ça ne l'est plus. Donc c'est bien que ça ne l'est pas finalement. Donc voilà. Mais après, c'est voilà, propre à chaque enseignant aussi. Vous avez une ultime question ? Parce que sinon, j'ai aussi... Oui ? Par rapport au jeu ? Alors, des freins, il y en a toujours, hein. C'est pour ça que moi je pose les jalons très vite en début d'année. Généralement, je fais une réunion en début d'année en septembre, je refais une réunion en janvier. Si j'ai des parents qui ont été absents, généralement je sors la petite diapo qui a été diffusée derrière moi. Je pense qu'il faut aller au-delà, enfin il faut aller au-devant plutôt, des appréhensions des personnes. C'est-à-dire que moi, alors ça a choqué quelques collègues hier, j'ai raconté par exemple que des fois quand il y a un nouvel IEN qui est nommé, moi, je demande à le rencontrer avant qu'il me tombe dessus.
Donc je vais le voir, je lui dis voilà, je fonctionne comme ça, je préfère vous le dire, voilà. Et j'explique, je vais au-devant des choses. À chaque fois, bon là c'est déjà ma troisième école, à chaque fois que j'arrive dans une école, pareil, je demande à rencontrer le chef d'établissement et on en discute, je dis sois pas étonné, je vais fonctionner comme ça. Et ça je pense que c'est par contre la plus grande chance qu'on ait dans notre métier, on ne la savoure pas assez, c'est qu'on a une liberté totale de pratique, totale entre guillemets, mais même si on a un cadre avec le socle commun, avec les programmes, etc. Mais on a une liberté totale pour faire ce que l'on veut en classe. Et moi, c'est ce que je disais aux professeurs stagiaires que j'avais sous ma responsabilité les années précédentes. Je leur disais, je ne t'en voudrais jamais de te planter, mais je t'en voudrais de ne jamais avoir essayé. Et donc, je préfère 100% quelqu'un qui tente des choses, qui se plante, qui fait à moitié, que quelqu'un qui s'est planqué et qui a dit, bah non, moi ça m'a fait peur, j'ai pas osé du tout. Voilà. On a une liberté totale. Vous êtes avec vos élèves pendant 24 heures semaine, sur 4 jours et demi ou sur 4 jours, mais vous avez le temps de tenter des choses. Voilà. Et prémunissez-vous en allant au-devant des remarques des gens. J'ai commencé tout à l'heure dans la grande facilité, hein, en vous faisant annoncer une bonne nouvelle. Je trouve que la facilité, c'est bien. Je vais terminer par la même chose, puisqu'on vous propose de partager un pot de l'amitié comme ça, en sortant, dans le hall du théâtre. Voilà. Donc, écoutez, vraiment, ça a été facile pour moi ce soir.